Toi, ta cam de bagnole, c'est quoi? C'est plutôt allemand, plutôt anglais, tout, ancienne, moderne? Alors, j'aime beaucoup les... Peut-être pas les anciennes, mais j'ai des coups de cœur pour tout ce qui est Z3, SLK. Les toupatons que j'aime beaucoup, que j'ai essayé récemment, pas mal de Z3. J'aime beaucoup. Après, dans tout ce qui est de nos jours... Parce qu'il y a plein de vent, on va encore... Ah, fais-moi des photos. Vas-y, remets-toi comme ça, là. Excuse-moi, Antoine. Mais là, ah, non, mais c'était bien. Reprends. Vous voyez pourquoi je fais voir, moi. Voilà. Encore. Tu es peur d'aide dans. Elle est top, hein. Mais elle est top. C'est ce que je te voulais. Je voulais qu'elle soit. Viens, venez, tous autour. Moi, je suis complètement inculte. Mais non, mais c'est peur d'aide. J'ai dit à Cédric tout bas, j'ai dit, mais c'est une Porsche, c'est quoi? Mais non. C'est pour ça, d'ailleurs, celle-là, c'est une Triumph ou une MG, celle-là? Attends. C'est une Triumph. Non, mais regarde, voilà. Ça, c'est pour toi, tu vois. Bonjour, monsieur. Hop, je vais péter la gueule. Ben oui, c'est une GT6, voilà. Hein? Tu pensais que c'était une Porsche, mais ça me rassure. De loin derrière les autres voitures, c'est une Porsche. Non, mais bah, elle a des airs. Ouais, le dessin de loin. Bon, je suis arrivé par là, donc il y a les voitures alignées. Mais. Attends, attendez, mais ça, c'est, je suis pas caméraman, il n'y a pas Paul aujourd'hui. Les ouïes, ça c'est super, tu vois, là et là. Et ouverture capot. Ouais, ça on a trop envie de tirer dessus. C'est vraiment, j'ai quelle envie, c'est de tirer dessus. Les tout petits rétro, c'est magnifique, quoi. Essaye de monter dedans, allez. Non, j'ai essayé, c'est pas ouvert. Appel au don, 29 000 euros pour la voiture de madame la ministre. Envoyez vos dons. Brise à bois Triumph. En fait, ceux pour l'Open, on les reconvertit dans la Triumph. Ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau. Et par contre, ce qui me gêne, c'est cette pièce-là. J'ai l'impression que ce n'est pas une pièce d'origine. Si, c'est ce qu'on appelle, ça devait être une option, c'est le réservoir course. Il n'est pas chrome. Ah, t'as bien choisi, là. Ah ouais. Tu sais, moi, je veux que mon gouvernement soit content d'abord. Et donc, ce que je disais à Florian, c'est qu'a priori, on peut essayer ce qu'on veut. Oh, ben alors voilà. Si elle peut essayer celle-là, je crois que c'est vendu. Elle est vendue, paraît-il? Ouais, c'est jamais vraiment vendu. Si vous mettez l'argent sur la table, c'est déjà dans les affaires. Ce sera une des deux qui sera vendue et pas l'autre. Mais vous voyez, est-ce que vous pouvez juste ouvrir la portière? Je sais pas en quelle garder, celle-là ou celle-là, je sais pas. C'est celle-là, ça c'est un classique, tout le monde connaît, c'est une référence. Celle-là, elle est rare, c'est ce qu'on disait. Au revoir. T'as vu, pour rentrer là-dedans, oh putain, lui tordu, quoi. Ouais, la conduite. À l'avenir, tu lui fais un peu plus brut. Ah ouais, c'est complètement décalé, ouais. Regarde, elle est formidable. On a qu'une envie, c'est de tirer sur les tirettes, ouais. Mais va tirer sur la tirette, ça. Ah, attention. Ça, c'est le plus petit 6 cylindres du marché. Le plus petit 6 cylindres du marché, vous entendez? Un 2 litres de cylindrée en 6 cylindres. Donc, c'est vachement agréable. C'est vachement agréable. Tu veux que je t'aide? En fait, qu'est-ce ouais, que tiens, c'est? Tiens, vas-y, prends. C'est à l'avant de ce filtre. Là, il est c'est d'époque. C'est tu vois, moi, je disais ça de la SM pour m'endormir le soir. Oui. J'arrive. Ouais. On voit très très bien, tu sais, les deux triangles, ouais, de bah la oui, suspension oui. Avant. Ah oui, bah là tu comprends complètement comment s'est fait une voiture. En fait, il n'y a rien du tout, donc on voit tout. Ah, vas-y, bouge le volant, on voit tout. Tu vois, on voit tout, on voit les schémas de direction. On a l'impression qu'on joue à Docteur Maboule, tu sais. Docteur Maboule. C'est... Ah. Regarde, il doit faire 2m10. Alors, comment vous êtes? C'est super. C'est super. Parce que sinon, on est intègre. Bah non, mais ça va, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe. Ah non, mais t'es pas au volant parce que regarde, peut-être non, avec ses jambes. Non, mais j'ai, ouais. Le problème, c'est que j'ai les jambes. Toi qui conduis toujours de traviole, toi pour toi c'est attends. Bien. Regarde, attends. Je vais la mettre parce que tu vas. Attends, là, mets là comme ça. Il faut pas oublier que, allez, mais pour la mettre aussi, c'est un. Les gens mesuraient tous 20 cm de moins. Ouais. Parce que, là. Tu vois, et vas-y, tourne là maintenant. Eh, dis donc, le ciel de toi, il a pas encore été refait. Ah, super. Celle-ci, on l'a reçue, on l'a démarrée, elle n'avait pas tourné depuis deux ans. Elle démarre comme au premier jour. Ouais. Un peu de sartère. Viens voir, les regarde les jambes. Très bien, ça y est, elle va partir. Ça arrive. Oh. Autre conseil, il faut toujours essayer de démarrer la voiture avant de l'acheter.
de Montpellier, hein. Si, si. Elle est là. Ben voilà, c'était le stress, elle avait du mal, c'est la première fois qu'elle voit POA, tu vois, elle nous voit débarquer. Elle est émue. Tu vois, elle est émue, non mais c'est normal. Faut que je change de ciel de bah ouais, là, ouais, ouais. Ouais. Non mais c'est canon, hein. Enfin, elle est vraiment... T'as vu ce petit break de chasse? Ah ouais, c'est génial. C'est un break de chasse, un peu, tu vois, c'est super beau. Non, en fait, là, pour l'instant, Renaud... Et Renaud, c'est pas une jague, hein. Tu peux nous la laisser aussi. Il n'entend rien, comme par hasard. En fait, c'est parce qu'il y a du bois. Non, mais il a raison, parce qu'elle est c'est rare. C'est l'appel du bois fait que le roubaudi... Et puis, c'est très, elle a déjà le côté un peu des années 60. Ne décolle pas. En même temps, regarde, la sérigraphie des écouteurs, c'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, là? Non, mais tout, je me demande comment c'est enraqué, parce que le conduire, j'ai trop grosses chaussures, et les pédales sont très rapprochées, et à mon avis, les débuts doivent être assez... Faut faire gaffe parce que tu te trompes entre l'accélérateur et tu vois l'accélérateur est tout petit et ce genre de bagnole quand tu la connais pas, ouais. On voit pas mais tu peux te tromper de pédale. Ah ouais. Je me demande quelle est la course de l'embrayage et la course des vitesses parce que c'est des voitures faut clairement avoir en main. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et après je me demande si le 6 il est onctueux ou s'il cale ou si t'as de la longueur. Tu vois le volant faut que je le change aussi. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Moi je la trouve. Je préfère ça que pour le coup sur restauré, c'est assez rassurant de voir les petits pépins. Je te dis bon ok. Mais la position de conduite. Mais non mais t'as vu comment t'es tordu. Oh, t'es totalement tordu, et voilà. T'arrives, tu sors de là, t'es comme ouais, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toi tu conduis comme ça, toi tu conduis comme ça. Tu sors de là, il faut faire du 37. Parce que le je me demande. Tu t'as la colonne en S, tu sais. Mais il vaut mieux pas être trop grand. Dès que je bouge le pied, attends, je suis mais pas. Sûrement que tu dois avoir la ceinture de sécurité qui va. Ah ouais, il pas avec ses chaussures de ville. Normalement, tu conduis en basket. Bon, bah voilà tous les jours. Mais oui, mais encore en chaussures de ville comme toi. Là, comme dit Dominique Chapat, c'est temps, il me dit. Voilà. Tu veux monter dedans, Florian? Ouais, je veux bien. Voir un peu ce que ça donne. Bah oui. Florian, t'as des jambes d'1m20. Je sais pas si tu vas pouvoir les mettre. Vas-y, your turn, baby. Mais toi, t'as toujours conduit comme ça. Regarde. Voilà, ah, c'est noir. Moi, je sais pas, tu me dis que je conduis de travers, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Il me faut un téléphone. Hein? Ah, la clé aussi, je trouve. Oui, il y a le petit sanglier, c'est mignon. Bon, ben, on se retrouve à Paris. Hein? Rendez-vous à Montpellier. On a déjà l'impression que c'est ta bagnole. C'est génial. C'est génial. Ouais, génial. J'ai presque plus de batterie, mais tu veux... laisse-moi monter. Là, on va refaire un tour, juste. Allez. 30 secondes. Bon, ça y est, t'es cliente. Ah ouais. À mort. Alors vas-y, C'est John Steed et Emma Peel. Vas-y. Le dernier, ça va couper. Allez. J'ai même pas d'iPhone. Je la maîtrise. Les pédales, c'est pas trop chiant? Non, mais en fait, oui, c'est à un moment. Tipis, tu vois. Oui, j'ai compris parce qu'à un moment, effectivement, entre la pédale de frein et la pédale d'embrayage, j'ai failli me planter. Et là, je me suis dit, ah oui, je comprends ce que tu voulais dire, Renaud. Mais maintenant, enfin, une fois que tu sais, voilà, c'est bon, quoi. Par rapport à la Porsche? Eh ben, je me sens vachement plus à l'aise sur celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai eu moins de problèmes au démarrage. Et je sais pas pourquoi, mais peut-être aussi, tu sais, parce que je pense que Cédric et moi, je l'ai vu là dans le reportage sur Opel, Cédric était pas super à l'aise à conduire une ancienne. Et nous, on n'est pas familier en fait des anciennes, Cédric et moi. Et je pense que plus on en conduira, plus on sera à l'aise l'un comme l'autre à conduire des voitures anciennes. On va faire un peu, t'es déjà à quelle vitesse? Ah non, on est à 60, j'ai l'impression qu'on est à 200. Non, mais alors justement, c'est ce qu'on s'est dit avec Antoine, et en fait, je me dis, mais ça doit être en miles, c'est pas possible. Parce ouais, 120 miles, ouais, peut-être. Je ouais. pense, hein, ouais, ouais, c'est un peu demande, mais je pense que c'est en miles, parce que tu de 55, dis, attends... De 55, t'es à 90, c'est bien. Ouais. Et,
mais t'as quand même cette impression de vitesse, t'as ce bruit, t'es bas, c'est vachement, vachement sympa. Puis j'adore voir ce capot. Et du coup, tu sais dans quelle voiture tu es, quoi. Et ça, c'est chouette. Appel au don. Oui, on peut faire l'appel. Alors vas-y, chers petits observateurs, n'hésitez pas à envoyer vos dons à POA, boîte postale rue d'Athènes, pour les 29 000 euros qui feront la voiture de Madame la Ministre. Voilà, c'est terminé. Non, mais t'imagines, au volant de cette voiture, t'as une classe. En plus, tu la vois tout le temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu la vois tout le temps. Tu vois ta voiture. Et tu te dis, ouais, je suis en train de rouler au volant d'une voiture, mais qui est vraiment magique, quoi. Et ça, c'est sympa. On va faire un reportage qui va s'appeler Phare jaune. Et on va partir avec Paul et sa Porsche, et moi avec la Lancia. Puisqu'on roule encore en phare jaune, lui et moi. Et là, on fera en avril, ça y est, il n'y a plus de batterie.